Le Culture Rock Festival, c'est le rêve de deux jeunes musiciens du Val-de-Ruz qui s'est réalisé pour la deuxième fois. Résolument rock'n'roll, la manifestation propose une scène à des groupes locaux. À Fontaine, le week-end dernier, une centaine de personnes ont écouté Virtual Friend, Save the Day et Identity Unknown. Un format modeste pour un festival totalement assumé par ses organisateurs. Mais le format, on a gardé le même que l'année passée, parce que c'est un format qui est peu coûteux, qui est relativement facile à organiser. On a toujours un espoir d'avoir de drainer du monde à un festival de ce genre-là. Le problème, c'est qu'après, le monde suit ou ne suit pas. Actuellement, c'est de plus en plus difficile. Mini-festival Mes Grands Cœurs, une vitrine est ouverte à une association humanitaire. Cette année, My Mali, qui finance des écoles en Afrique. L'idée, c'était la culture, c'était de ne pas faire simplement un festival musical, uniquement musical, où les gens viennent consommer de la musique, mais qui s'intéressent aussi à un aspect culturel de la société. On les fait venir aussi avec de la musique, et en même temps, ils peuvent observer les soucis qu'on peut avoir dans le monde entier. D'avoir cette attention de penser aux autres et de faire venir une association comme la nôtre. L'année passée, c'était Imbevu. C'est magnifique. Et ça, c'est preuve d'un grand cœur et ça me touche beaucoup. Infatigable optimiste, les organisateurs veulent remettre ça l'année prochaine à La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.